pause. On pose le bout. Ah, vas-y, passez avant, ouais. Peut-être. Oui. Tiens, je vais le prendre. Deux orchidées abeilles et abeilles juste à côté du dernier poteau. Alors lequel on prend? À la fois parce qu'il y avait trois transformateurs, une machine à vapeur qui les alimentait, et puis ça donnait l'inspiration du nom, avec l'acte de transformer le site sur lui-même, donc avec tout ce qui y était présent, mais le transformer en vers un retour à la nature. Alors par contre, moi, le seul petit truc qui... T'as le métier un peu plus. Oh là là, efficace. Ah oui. Je cherche là-dedans. Oui. Ça serait bien de chercher là-dedans. Chacun un peu a mis sa petite patte hein, en disant ben moi ça m'intéresserait de développer l'apiculture, pourquoi pas l'élevage, au contraire le potager, je crois que c'est le premier atelier qui a été créé. Après c'est l'élevage qui est arrivé, l'apiculture est arrivée après. L'atelier cuisine n'existait pas au début. Ouais. On l'a créé. Peut-être que l'année prochaine il y aura une boulangerie. Ça c'est peut-être pas. Je sais pas. On jardine ce lieu à travers différentes activités, à travers le pâturage, donc l'élevage de vaches nantaises, à travers le jardinage, à travers l'apiculture, à travers des ateliers d'art. Enfin, c'est deux sangles là, tu veux me les donner? Non, les sangles. Les deux cravates si tu veux. On appelle ça aussi des cravates. Ouais. J'espère qu'elles sont assez grandes pour ça. Moi, la boule, je lui donne le nom de pollen. C'est symbolique, le pollen, c'est la multiplication des plantes, des arbres. Ah, t'as cassé le truc, c'est pour ça. Ça aide. Là, moi, j'ai passé sans casser. Hein. Non, mais là. Mais là, ça aide. Regarde, hein. Ils sont pas tout neufs. Hein. Bah non. Ce que je vais faire, je vais la tirer, mais. Voilà. Ah, ça va, la France, ça redescend. Bon, ben voilà, je peux pas mieux faire. Hein. Je peux pas faire mieux. C'est bien, c'est très bien. Bravo. Ouais. Bravo. Vive le transfo. L'idée, c'est aussi qu'on cesse de dire qu'ici, c'est une friche. Parce que c'était une friche. Une friche, c'est un lieu en attente de destination, d'usage. C'est un lieu qui attend qu'on. En attente de projet. Et là, le projet, il existe. Donc, il est déjà utilisé. Il y a des usages, donc, c'est plus une friche. Mais c'est vrai que créer ces choses à l'entrée, là, ça peut faire poser des questions et se dire, bah non, c'est pas une friche, il y a quelque chose qui est visiblement construit. Ça, on est sur un truc qui se transforme volontairement, voire pour diverses raisons, mais on a décidé de le faire, alors que ce soit pour faire une clôture, pour que les vaches passent pas dans le verger, ou juste pour faire de la décoration, on a décidé de le faire. Donc c'est un lieu volontaire. T'as mesuré par rapport au marteau pour pas taper dedans. Alors encore. C'est le feu à la ferraille qui embête tout ça. Ça va pas nous servir ça. Comment? Ça va pas nous servir. Le croc? Ça c'est un croc ça? Oui, ça c'est un croc. Ah, ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec ça là? Eh bien tu. Mais tu passes après moi par exemple. Hein. C'est une vache qui a été ramenée. Ah, oh, j'ai cru. Claude, est-ce que là tu vas avoir une demi-main. Est-ce que tu peux me donner le petit là, un morceau, ouais. Ouais. Allez, Molly. Non, je ne lève pas.
que tous les trois. Ce qui est important aussi dans ceux qui sont adhérents, c'est faire ensemble, c'est apprendre en faisant, quoi. Hein, c'est plus être dans un peu l'intellect toujours, mais parce qu'on est beaucoup dans l'intellect avec le virtuel. Donc là, c'est le côté assez pratique et pragmatique qui. Et c'est pas grave si on fait des erreurs. C'est qui domine, même si on peut se dire, oh ben quand même, t'as pas réussi là. Ouais, enfin, on peut se dire des choses comme ça, mais c'est pas bien. Oui, voilà, c'est pas. Et c'est vrai que chaque chantier est l'occasion d'apprendre et le droit de se tromper pour pouvoir après réussir. Quoi. Donc c'est surtout le droit effectivement de se tromper. On n'est pas forcément expérimentateur, comme on dit expérimentateur, oui. Mais on est dans une continuité de travail qui se faisait comme autrefois, avec bah, évidemment des variantes liées à ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein, on n'est pas là pour évolutionner, on est là aussi pour accompagner. Et je trouve que dans l'atelier apiculture, on est bien dedans, un peu comme peut-être dans l'atelier élevage. On est obligé. Oui. On est obligé parce qu'on a des gros animaux et on ne peut pas se permettre de rater quand même. On ne veut pas laisser les faire mourir, on ne veut pas qu'ils s'échappent et qu'ils disparaissent. On veut pas, enfin voilà. Donc il y a quand même une nécessité de résultat un peu qui nous guide, qui nous pousse à venir aussi tous les jours. La nécessité de résultat, elle n'est pas en termes de rendement financier, mais il faut qu'on réussisse dans le sens où il faut que nos vaches aillent bien, qu'elles vivent bien, qu'elles mangent bien, qu'elles soient assez contentes pour ne pas avoir besoin de partir. Donc voilà. Et que la viande soit bonne au final. Elles sont bonnes, elle est bonne la viande. Elle est excellente. Nos graffeurs qui, à leur façon, emmènent aussi le site ailleurs et font venir sur le site du public qui est intéressé par ce qu'ils font. Enfin, puis on pourrait encore décliner plein de gens comme ça qui oui, passent et qui portent ailleurs le site, quoi. Se dégage aussi du lieu une forme poétique et qu'on invite comme ça le passant, hein, ou le public qui déambule, à regarder autrement le lieu que simplement qu'est-ce qui s'y fait, on ne voit pas ce qui s'y fait, ou la nature elle n'est pas entretenue, on laisse pousser les ronces, les chardons, qu'est-ce que c'est que ce truc, on laisse se dégrader des palettes, ça n'a pas de sens. Donc c'est essayer de renverser un peu le regard. Hein, c'est quand même notre intérêt aussi, partager cette évolution de transformation du site avec la nature notamment, hein, et par les différentes activités que l'on a. Donc partager notre bonheur de vivre sur ce lieu, quoi. Hein, voilà. Il faut penser à manger, hein. Mais il est 13h. Là, on va finir parce qu'on va pas laisser ça ouvert. Ah bon ? Les vaches. C'est quand même le bonheur. Hein. Alors à la santé des gens heureux. En plus, on a du soleil juste pour le repas. Ah ouais. Vous devriez participer à la liesse collective. Avec un verre à la maman, nous sommes gâtés. Mais par les vides, le mien. Pour une fois. Pas de ça. Peut-être compromettant. Pas de boisé. Non, c'était pas une pâte brisée. Alors, je peux encore essayer ça.